C'est pas impossible, mais très compliqué, quoi. Roublard feu. Non, on est d'accord, c'est Périscope qui est pas modifiable, c'est ce qui me semblait. Vous me dites des bêtises. Ah, il va mettre sa petite bombe, il va botte dessus. De toute façon, nous, on va mettre des petits dégâts de loin. Ah bah, bien vu, mais ouais, bon. On va passer de l'autre côté, hein. Ça me donne 60 d'agi de faire une renif comme ça. Ouais, c'est pas mal, en vrai. Bon, là, il peut nous murer facilement avec une botte, hein, très clairement. Voilà, hop. On pourra peut-être polarité pour se barrer, on verra. Ouais, je pense qu'on fera ça. Enfin, je vais voir, mais je pense qu'on fera ça. Ça va, 120 dégâts, y a pas de panique, tout va bien. Et il lui reste 4 PA. Poudre, je sais pas trop pourquoi, mais pourquoi pas. Ah merde, je vais enlever l'étage, je voulais drain sur le truc, bah je peux toujours le faire. Ok, bon là attention, il va peut-être pouvoir nous murer. En vrai c'est quand même galère, je fais la queue 5 PM il me semble, hein, ouais. Parce que là il peut pas roubler la botte. Je pense pas qu'il puisse nous murer là. S'il voulait nous murer, il fallait claquer. Non, ah peut-être comme. Non il peut pas. Hein. Faudrait qu'il bombe là, roube la botte, il pousse la bombe et qu'il m'attire, mais son roube la botte, il a pas les PM pour faire ça. Le roube la botte niveau 1, il a que 5 PM, donc normalement il peut pas. Ouais, normalement il va test, mais normalement il peut pas. Hein. Là il pousse là. Mais après il a pas les PM pour me retirer, tu vois, c'est bien ce qui me semblait. Eh ouais, maintenant je m'y connais en roublard BL gros. Eh ouais, on me l'a fait. Ok, il va commencer à soigner, ça va être chiant. Non, ça va, il a pas l'air de faire le cancer à full heal non plus. Pas trop ce qu'il fait là par contre. Ok, ouais, bof, balèque un peu. Ouais, balèque en... toujours, on s'en fout. Quoi faire. Ça lui retire de la PO, en vrai c'est pas trop mal. Putain, 94 à la renif, c'est pas mal. Hein. Là on tient le combat, hein. 900 points de vie, il a une bombe qui sert plus à rien parce qu'il a pas la portée pour l'entourloupe ou quoi que ce soit. Je crois qu'il a le robot à la botte, mais bon. C'est galère pour lui là. Hein. Je vois pas trop comment il va gagner. Hein. C'est pas trop mal joué, peut-être qu'il va essayer de mettre une bombe là-bas, mais je crois qu'il peut même pas. Je rappelle, la bombe, quand elle est pas niveau 3, il peut pas la mettre là. Hein. Enfin, il peut pas aller là et la mettre là, il a pas la PO.
Il peut que la mettre là, mais bon, il a pas de ligne de vue, donc il peut pas, quoi. Voilà, donc il le fait pas. Eh, hey, maintenant je connais les roublards BL, gros. Maintenant que j'en ai joué un, je vous connais, les gars. On me la fait pas, moi, ça. Ça passe. Hop, niveau 60. Normalement, peut-être même 61, comme je disais. Voilà, 61. Nickel. Donc là, il va falloir changer du stuff, hein. Alors, niveau 61. On va mettre une belle coiffe Aquafexo PO. Hop, on est dégueulasse, mais on va bientôt changer la gueule du truc. Je pense qu'on va mettre une capjule. Alors, soit capjule, soit capot d'indo. Alors, ça donne plus de vita, mais là, j'ai un PO. Et quand même, la PO, je pense qu'elle est pas mal. Pour, bah, pour les lance-flammes, les trucs comme ça. Ensuite, amulette, flanc des étoiles. Anneau, évidemment, le gel anneau PAPM, logique. Et en deuxième anneau, je pense que ça va go là-dessus. En plus, ça donne un PO, donc c'est propre. Ceinture, alors je crois qu'on n'a pas le niveau pour mettre ce truc, c'est dans un niveau. Donc on mettra ça après. En attendant, bah ça va go ceinture BR, je pense. Ouais, ça va go ceinture BR en attendant. Bot. Juste au bot, c'est parfait. Il nous manque. Alors, comment on fait déjà? Ah oui, j'ai pas le bouclier exo, donc on va mettre ça. Là, je suis en 10-6. Alors c'est soit je joue en Féonor, j'ai 11-6, qu'en fait après j'aurai le Godrod là, mais je l'ai pas encore. C'est niveau 67, là je vais mettre Bâton des Rois. Ok. Et là du coup niveau 60, ça go trop fait PO. Hein. Ah il est quand même 1700 points de vie en face, je pense qu'on va directement traverser. Mais après ça dépend s'il parle de 1v1 ou 3v3, c'est pour ça que je dis que ça dépend. Parce que c'est pas du tout la même chose le 1v1 et le 3v3. R et O pour moi c'est peut-être ce qui ressort quand même. Hein. Et après ça dépend parce que si tu joues dans une équipe pré-made et que tu as envie de jouer soutien pour faire des goûts de malef, tu peux jouer feu quoi. Mais si t'es un mec qui joue un peu tout seul dans ton coin, mode O c'est pas mal et mode R c'est bien aussi, les deux sont lourds en vrai. On a les mechas hyper mage là, ça y est. On a les mechas kill de zone et tout. Bon là c'est, tu vois, la différence de stuff quand même, là c'est complètement auto-win, full vita. Pourtant le mec était, bon c'était pas insane, hein. Il est mon niveau. Hein. C'est rare qu'on ait un match contre un mec de vraiment notre niveau. Là c'est niveau 61 contre 61. Et là c'est complètement un no match. Hein. Je sais pas pourquoi il met un dragon rouge. Ah c'est pour se soigner, ouais. Bon ça suffira pas, mais nice try, hein. Allez, c'est terminé, bien joué à lui. Et là, on va passer niveau 63. Un truc du genre, je sais pas. 62 peut-être, je sais pas. Normalement, on prend au moins un niveau.
Et on passe niveau 62. Allez, c'est parti contre ce steamer. 1700 points de vie quand même. Ça va pas être free. Il en a quand même 11 PA en plus. Je sais même pas si ça vaut le coup de traverser maintenant. Non, on va pas traverser maintenant. Par contre, j'ai rien à faire. Hein. Taille, quasiment la portée sur Orage. Ok, double tourelle. Ouah, il tape de loin. Hein. Il va se barrer au fond. Et il a évo quoi là, l'arpo? Je sais pas si j'ai une ligne de vue là-dessus. Peut-être ici, Inch'Allah, ouais. J'ai vraiment hâte d'avoir polarité niveau 3, enfin niveau 2 et 3, parce que je kiffe ces sorts. Ok, nice, le tour gros, t'es chaud. Je vais pas me boubou LM maintenant, les gars, parce que de toute façon, il va nous debuff avec embuscade, donc ça sert à rien. Embuscade, c'est niveau 70, c'est ça? Je crois que c'est niveau 70. Donc là, il va taper sur la contrée, mais il debuff pas, donc ça va. Enfin, il la debuff, mais ça reste deux tours, donc on s'en fout. En fait, il faudrait que je boubou LM à un moment où je le tac, ce sera peut-être un petit peu mieux, quoi. Là, ça va, j'ai quasiment rien perdu. Bon, on est bien, là, je pense, quand même. En plus, on a bientôt la relance de contrib. Ça nous permet quasiment d'être invulnérable un tour. Là, va se faire des full combi élémentaires là-dessus. Hop. Nickel, ça va nous booster en puissance. Putain, le passif de Looper est quand même vachement fort. Hein. En fait, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a des classes qui ont des passifs et des classes qui n'ont pas de passifs, frère. Donc c'est un peu de la merde. Genre. Gros, Sacré Looper, ils ont des giga passifs. Et bah, je sais pas, tu joues Roublard? Non, t'en as pas? C'est un peu bizarre, quoi. Et encore, Roublard, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Hein. Mais bon, on va le debuff, je pense, vu qu'il a Scaf. On va juste faire un petit lance-flamme des familles, je pense que c'est pas mal. Tu débuffes le drain, ouais mais on s'en fout, c'est pas un steamer feu, on s'en branle. Et je fais drain avant pour taper plus fort avec le déflag. Non, pour le coup là c'est pas une erreur de faire ça. Pour le coup c'est pas une erreur parce que il est pas feu déjà. Et en plus après ça nous fait taper plus fort avec la déflag, donc non. Contre un mec feu, je dis pas. Contre un mec comme ça qui est pas feu, on s'en bat les couilles, hein, ça change rien. Allez, on passe niveau 63. J'aurais dû faire dans l'autre sens, c'est pas très grave. Pour aller à Runif, mais bon, de toute façon, je peux refaire un lance-flamme. Ou alors, je peux me boubou LM. Hop. Ouais, il peut être haut aussi. En vrai, t'as raison, il peut être haut. Hein. Ça existe de fou, les yop haut. Mais je suis pas sûr qu'il soit feu, moi. Hein. Non, il aurait lancé la destin s'il était feu. Enfin, je sais pas. On va vite le voir, de toute façon. Non, je pense qu'il est soit terre, soit haut, là. Ah bah il est feu. C'est pas grave, en vrai c'est pas grave. Ça va rien changer, on est bien là. Est-ce que je commence déjà à debuff? En vrai il n'y a pas grand chose à debuff, hein. Il y a juste la vita, mais on s'en fout un peu pour l'instant. Hop. Drain des familles. Enfin je peux toujours debuff en vrai. Hein. Même si ça lui debuff le drain, c'est pas très grave. Non vas-y, ce qu'on va pas debuff pour l'instant, on va faire la petite contrib. Hop, hop, hop. On va remettre le lance-flamme. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon le famille réfixe, ça revient même parce que là avec la DD au moins je gagne de la vita et tout quoi, donc c'est bien. Oula, coup de pelle là et épée destru, ma foi. Mais ouais d'accord, mais ouais. Un tir, ça fait assez mal. Et il reste là. Il a pas d'esquive, hein. Ça va gorette. Hein. Ah, il a 5 PM, donc je vais pas le coller parce qu'il peut pas me mettre sa destin direct. Il est obligé de faire un souffle ou friction. Ah, il va pas nous mettre de destin, du coup c'est un peu dommage, il aurait peut-être dû avec déferlement. Ah, il a un de coco, ouais je sais, non mais c'est pas free win, hein, très clairement.
Peut-être tu débuffes sa puissance quand même. Oh, le crit qui fait du bien. T'as les mecs qui crachent sur les files d'attente, respect. Hein. Allez jouer à un autre jeu, allez jouer à CSGO ou à League of Legends ou à Minecraft, j'en sais rien, mais. Crash dans la file d'attente, c'est le pire truc. Marty la Pookie, j'avais pas eu le pseudo. Pas mal le blaze, j'aime bien, ça me plaît. J'apprécie. On va commencer par des buffs cette fois. Pop pop. Ça, on lui vire la vita là. On reste 4 PA. Pas trop quoi faire. Foudroiement, gros. Tu sais que ça tape trop fort. Hein. Bon, attention quand même. Hein. C'est pas encore win. Bon, le destin, elle est pas chargée, donc ça va. On a la relance de contrib. Le truc, c'est que vu qu'il invoque jamais, je peux pas prendre une double contrib. Et quand t'as qu'une contrib, c'est pas ouf. Mais bon, c'est mieux que rien. Il va peut-être. Non, j'allais dire, il va se revita, mais il peut pas. Je pense qu'il a un Dofus argenté, par contre. Bon, après, je le tue quand même, je crois. J'ai de la chatte de faire des crits là. Mais bon, je pense qu'il perdait la vita, il était mort dans tous les cas. Allez, c'est parti. Niveau 64. Initiative déjà. Roublard 107. Hein. Là, on commence. Vu qu'on a gagné beaucoup de combats, la côte elle a augmenté. On va avoir des matchs de plus en plus galères. Si on gagne ça, c'est pas mal hein, déjà, je pense. On va clairement mettre l'état feu sur la bombe pour plus tard. Tu vas même faire une petite combi élémentaire, ça sera fait. Donc j'ai que ça à foutre pour l'instant. Maintenant on a 11-6. Il va scabome, ok, logique. Oh, j'ai tellement hâte d'avoir polarité niveau 2 là. Contre Roublard en plus c'est tellement fort polarité. C'est tellement la base contre Roublard. On a bientôt 2000 points de vie aussi. La petite botte. Il va remettre une bombe devant lui. Je sais pas si j'ai une ligne de vue derrière. Non, je pense pas. Allez, je fais le gros cancer contrib plus Boubou LM. Ah, c'est peut-être un peu tôt en vrai pour lâcher ça. Quoique là, il peut déjà nous murer, donc pas sûr en vrai. Hein. Ça va bot là-bas. Mettre la bombe là-bas. C'est peut-être pas trop tôt en vrai. Putain, si seulement on avait manif aussi. Manifestation contre Oublard à la base. Hein. Il a 16 d'esquive, donc ça sert pas à grand chose de tenter le raid. Là j'aurais pu le mettre dedans, mais ça sert à rien, ça aurait tapé que dalle. Peut-être tenter du raid quand même. Bah, hein, j'ai pas. J'aurais pas dû. Attends, il est feu. Je vais remettre un état parce qu'il va nous taper feu de toute façon. Ah, il a un dos coco en plus, ça va être chaud. Hein. Ça va être très tendu le Dococo. Je le tacle un peu. Clairement, je pense qu'il faudra que je le mette dans ses bombes. Hein. Il y a moyen, mais ça va pas être facile parce qu'on a toujours polarité niveau 1. Coup polarité niveau 1, la portée, il est vraiment flingué. Putain, il a encore esquivé, quoi. Il a de la luck en vrai. Hein. Deux fois de suite qu'il esquive tout. On a combien de combis élémentaires? On a 100, on a 50 de puissance et tout. Il bégaye un peu là quand même. Hein. Oula, c'est quoi ce tour dégueulasse qu'il nous a fait là, frérot là?
Ah, il n'y a plus que 500 points de vie. Attention, il peut nous faire très mal ce tour, hein. Ah. Bon. Niveau 68, abattu, on a eu Runif niveau 2 là, je crois. Ça fait quoi?